Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous assistons au recueillement et dépôt des germes de fleurs de Papa Chéri. J'ai vu Piana qui a interrompu son séjour en Europe. À Saint-Louis, qui l'encadrait, qui le soutenait personnellement, nous avons cité Mwamba Wakena, Dozo Dozo, le seul Congolais aux yeux bleus. Honorable Zoé Kabila président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Nous remercions pour votre marque d'affection à notre endroit tout au long de cette épreuve qui nous a frappés. Nous remercions l'honorable Zoé Kabila pour son recueillement devant la dépouille mortelle de celui que nous avons tous appelé affectueusement Dozo Dozo Cardozo Mwamba le Big. Yeah! Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00.
09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Se présente le programme des obsèques de Cardozo Mambawakena, qui, je le rappelle, est décédé en Afrique du Sud et sera inhumé tout à l'heure à la nécropole entre terre et ciel. Nous commencerons par une petite exhortation qui sera ici faite par le pasteur Thomas Djokou du ministère Jésus en tout et en tous. Juste après la prédication du pasteur, nous donnerons la parole à Ornella Mwamba. La fille de Cardozo Mwamba va ainsi prendre la parole au nom de tous ses frères et sœurs. Sera suivi de témoignages. Après le témoignage, nous inviterons le fils de Cardozo Mwamba, M. Sam Mwamba, pour présenter la biographie de celui que nous pleurons en ces jours. Sera suivi le dépôt de gerbes de fleurs. Après le dépôt de gerbes de fleurs, au nom de la famille, nous donnerons la parole au général Kanyama pour le mot prévu à l'occasion. Et après, ce sera la levée du corps pour la nécropole entre terre et ciel. Nous allons devoir passer au dépôt de gerbes de fleurs. Et bien sûr, cela se fera par préséance et sur base des personnes qui se sont fait inscrire. Merci. Président du Sénat, Modeste Bahati Lokwebo. Yesu mi wangu wa siku zote, ye anajua maisha hata ningekuwa na mke ya mwe, hata ningekuwa na mume wangu angenipenda sawa na Yesu. Yesu mi wangu wa siku zote, Je suis un peu plus de temps.
celui que nous avons tous appelé affectueusement Dozo Dozo Cardozo. Nous invitons le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures, M. David Moukeba, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Le général Kanyama accompagné de son épouse pour le recueillement devant la dépouille mortelle de Mwamba Wakena. Général Kanyama qui est au four au moulin pour la préparation et l'organisation des obsèques de Dos. Nous assistons au recueillement et dépôt des germes de fleurs de Papa Chéri Jimé Piana, qui a interrompu son séjour en Europe. À celui qui l'encadrait, qui le soutenait personnellement, nous avons cité Mwamba Wakena, Dozo Dozo, le seul Congolais aux yeux bleus, Papa Chéri Jimé Piana, qui a donc interrompu son séjour en Europe pour rendre un dernier hommage à celui qu'il considérait comme un parent dans sa vie. Monsieur Jean-Pierre Kalama, Excellence Jean-Pierre Kalama, pour son recueillement et le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous invitons Monsieur Jean-Pierre Kalama pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Kardozo mamba talamboka mobimba ekulela. Pesa papa wemba mbote na konta ba musicien ya mboka yeye. Anisa uzo masamba. Kardozo mamba talamboka François ya kolela. Tara souverain premier jibe na kolela. Dans des pots de gerbes de fleurs de Macintosh, Bill Clinton, Kalonji, qui rend ici un dernier hommage à celui qui l'a beaucoup soutenu dans sa carrière. Nous avons cité Mwamba Wakena Dozo Dozo. Et au nom du groupe Wenge Musica Maison Mère de Werrason, nous invitons Sankara de Kuta, accompagné de King Tequila, pour déposer la gerbe de fleurs au nom de Werrason. Ici représenté par Sankara de Kuta et King Tequila. Au nom de Werrason, Sankara de Kuta dépose sa gerbe de fleurs. Et pendant ce temps, nous invitons la famille du gouverneur Alex Kandemupompa pour le recueillement. Et pour les familles, puisque
puisque nous arrivons maintenant au moment des familles, faites-nous l'économie de 10 personnes en raison des temps qui nous reste. La famille du gouverneur Alex Kandemoupompa, les familles déjà annoncées, nous allons clôturer cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs avec les enfants de M. Mamba Wankena. Entre-temps, toutes les familles que nous avons appelées peuvent déjà s'y recueillir pendant que les enfants Cardozo sont en train de s'apprêter. Wankena Tala, le mignon Sagan, Sagan mignon à Kolelae. Nous terminons avec les petits-enfants de Cardozo Mamba, les petits-enfants de Dozo Dozo. Nous clôturons ainsi la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Nadia, horizon funèbre. Où tu dis que c'est toi qui dis là, toi Mbini, toi Njiku, Tendekena. Toi Mbani, Moudi Nadia, horizon funèbre. Toi Njiku, Tendekena, Tchilobouche, Tchanvita. Tout Tendekena. Cardozo Mamba Wankena wabalenge na bakutemba kubantu mulumiana mulenge na wakutemba mwena mpala wa jimbongo muchi munene wa kuikisha munya sanga munene wa kwetu wakabwedi kasui Mwamba wa mukazumba mwene lulua mwene kalamba mwene miao mwene ndaye wapio momo tutendekena kashinyi wajong honorable Zoe Kabila wasongi mabakali mutimutoku kutimufika mpana wengele na bakaya mutimutendekena general kanyama wapeneme na bakutema kubanga kanyama kufika mpana wengele na bakaya Je bénis ta présence au milieu de nous. Et je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Que ta présence contrôle toute situation dans ce lieu. Laisse que ton armée de Michael, avec des chariots de feu, entoure cet endroit.
Tika ete limpinga na yo na lola ekuka ozinga esika oyo. Seigneur, manifeste ta gloire. Kolo monisa nkembo na yo. Dieu des armées, sois autour de nous, porte flamme de feu. Yahweh Zala liboso na biso lokola etutu na moto. Voilà pourquoi j'en ai anti tout pouvoir maléfique. Dalatina nazali kokanga nguya nyonso ya molili. Qui n'élève pas le nom de Jésus-Christ. Nazali kosakola kombo na yo te. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. La fille de Cartozo Mwamba qui vient ainsi prendre la parole au nom de tous les enfants de Mwamba Wankina. Et bien sûr, elle se fera entourer de ses frères et sœurs lors de sa prise de parole. Ornella Mwamba pour la parole et entre-temps, nous demandons à Maître Mutombo de se préparer pour la prise de parole. Ornella Mwamba, au nom de tous les enfants Mwamba qui sont présents, qui peuvent aussi l'accompagner pendant sa prise de parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente au nom de Ornella Kina Mwamba. Bonjour à tous, je me présente au nom de Ornella Kina Mwamba, la 31e de la famille de mon père. Je sais peut-être qu'il est ici, présent ou pas, mais je sais une chose, qu'il est fier et heureux que je me présente aujourd'hui à présenter toute la famille. Vous devriez savoir que c'est avec un cœur rempli de peine et de douleur que j'ai écrit ce discours. Mais ce sera avec amour que je lirai en mémoire de notre papa. Je veux qu'à travers mes mots, vous soit reflétée la personne qu'il a été, la bonté qu'il a eue avec tout un chacun. Premièrement, au nom de tous tes enfants, je tiens à remercier et glorifier notre Dieu de nous avoir permis de passer toutes ces belles années de notre existence avec toi. Certes, pour mes aînés ce fut long, pour nous les cadets ce fut court. Mais nous pensons tous que tu es parti très tôt. Mais nous savons une chose, c'est que ta mission sur cette terre avait été accomplie, car tu as su nous inculquer à tous tes bonnes valeurs. Je tiens à vous exprimer à vous tous, frères et sœurs, amis et connaissances, parents et autres, nos remerciements pour votre marque d'affection à notre endroit tout au long de cette épreuve qui nous a frappés. Nous sommes très nombreux et cela reflète ta relation avec les gens sur cette terre. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seuls. Nous te pleurons tous ensemble. C'est le Congo tout entier qui te pleure. Papa, tu as su impacter la vie de tout un chacun parce que tu as été ce qu'on dit en Lingala Mutuyabatu. Je le dis haut et fort, nous sommes tous tellement fiers de ton parcours et de tous tes accomplissements sur cette terre. Je ne parle pas seulement de nous, ta famille, mais également tes proches et la République. Particulièrement le Kasaï occidental, car comme on le sait tous, tu aimais ta province ainsi que tous les habitants. Aujourd'hui, c'est un grand homme que nous avons perdu, un pilier pour plusieurs personnes, et la douleur qui accompagne cette perte est sans mots. Très cher papa, en tout un chacun de nous se trouve une partie de toi, car nous sommes ton sang. L'éducation que tu nous as donnée va bien au-delà des biens matériels. Je cite, « Tu nous as appris à aimer Dieu. Tu nous as tous instruits. Tu nous as appris le vrai mot ou le vrai sens du mot respect. Tu nous as appris le vrai sens du mot intégrité. Tu nous as appris le pardon ainsi que le courage. Et tu nous as appris le sacrifice en nous démontrant qu'un homme doit se battre pour ceux qui l'aiment, il doit travailler dur pour pourvoir aux besoins de sa famille. Vous savez, papa nous disait que lui n'avait pas eu la chance de poursuivre ses études par faute de moyens. Mais nous, à notre tour, nous devrions y passer car il s'est battu pour nous offrir une bonne éducation. Et il a réussi car il a su tous nous faire étudier. Quand je parle du respect, c'est parce que c'était un homme très respectueux.
Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai un souvenir qui me revient à ce moment précis, où il nous disait, mes enfants, si vous voyez un homme âgé, respectez-le comme si c'était votre père. Si vous voyez un aîné, respectez-le comme si c'était votre grand frère. Et si vous voyez un enfant, respectez-le également afin qu'il vous respecte à son tour. Le respect doit être mutuel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce même respect règne dans toute la famille. Quand je parle d'intégrité, c'est parce que notre papa était un homme droit. Il nous répétait souvent que son honneur et sa dignité valaient beaucoup plus que tout l'or du monde. Et il nous a toujours appris à être intègres afin de toujours garder notre honneur, notre dignité, ainsi que notre crédibilité. Il avait coutume de nous dire qu'il valait mieux souffrir et de gagner notre vie en étant honnête que de la gagner dans les déshonneurs. Quand je parle du pardon, je me souviens que tu ne cessais de nous dire « Moi, votre père, je dors paisiblement, car je sais pardonner et j'évite tout conflit avec les gens. » Quand je parle du courage, je me souviens encore que papa nous disait « Mes enfants, une personne sans courage ne fera rien dans la vie, car la peur prend le dessus sur lui. Il faut avoir le courage d'affronter sans avoir froid aux yeux. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, prends ton courage à deux mains et fais-le sans hésiter. Et ce peu importe si tu réussis ou pas, le bon côté des choses est que tu as eu le courage de le faire. Et rien que pour soi, tu dois être fier de toi et de te féliciter. Mais quel père! Et quand je parle de sacrifice, je me souviens que tu nous as souvent dit, mes enfants, moi votre père, je vous aime énormément. Et c'est ce même amour qui me pousse à me sacrifier pour vous en faisant un travail acharné. Sachez que j'aime les gens et j'ai énormément de charges parce que les gens m'aiment aussi. Et moi, Cardozo Mwambawa Kena, je suis née pour être là. Non seulement pour vous, mes enfants, mais aussi pour eux. Je retiens une chose, c'est que papa ne se plaignait jamais des sacrifices qu'il faisait pour nous. Et il nous encourageait à faire mieux que lui dans la vie. Et un jour, pendant qu'il nous prodiguait des conseils, je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails. À la fin de notre conversation, il nous a dit, « Mes enfants, quelqu'un de sage écoute les bons conseils et les met en pratique. Mais quelqu'un qui est insensé écoute les bons conseils mais ne les pratique pas. » Et il a ajouté à cela, « Moi, votre père, je suis très bavard. Mais je sais que je dis des choses vraies afin de vous apprendre la vie. Car si je ne le fais pas, qui d'autre le fera à ma place, papa ?» Papa a tellement joué un grand rôle dans la vie de plusieurs personnes et impacté dans plusieurs domaines dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en écrivant que je réalise tellement de qualités qui faisaient la belle personne qu'il a été. Et je suis persuadée qu'il restera un modèle, non seulement pour nous, ses enfants, mais pour chacun d'entre nous. Et ça nous brise tous le cœur de nous dire qu'il ne sera plus parmi nous, mais ça nous réconforte de savoir qu'il vivra dans les souvenirs de tous. Cher papa, je veux que tu saches que tes bonnes œuvres sur cette terre resteront gravées dans nos mémoires. Vous savez, papa nous répétait souvent, l'intelligence n'est pas la sagesse. Papa était très sage. Et il en avait conscience. Si mon discours prend cette tournure, c'est simplement parce que papa était un homme qui passait son temps à nous apprendre la vie avec les bons conseils et ses expériences. Je me perds dans mes mots car il y a beaucoup à dire sur lui. Il y a tellement que je sais d'être très brève. Je remercie Dieu car j'estime que si tu es parti si tôt, c'est que ta mission a été accomplie ici-bas. Papa n'était pas seulement un père, un grand-père, un oncle, un ami. Mais il était aussi un exemple, un conseiller. Il était là pour les autres, même vis-à-vis des inconnus. Il était comme un mentor. Et il le faisait avec le cœur sur la main, car il n'attendait rien en retour. Quel homme! Un homme qui a fait un beau parcours avec un bon cœur, tout en gardant sa sagesse, sa dignité, sa fierté et son intégrité. Quel exemple! Merci mon Dieu, car aujourd'hui je me sens tellement bénie et fière de parler de papa et de l'avoir eu dans ma vie.
même si c'est dur de parler de lui au passé, nous, ses enfants, avons appris et reçu les vraies valeurs, principes, ainsi que la bénédiction et la sagesse d'un homme qui était notre père biologique. Quelle fierté! Papa, sache que nous garderons à jamais dans nos cœurs l'homme que tu as été. Gardozo Mwamba Wakena, à jamais dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais et nous t'aimons pour toute l'éternité. Seigneur, c'est toi qui nous as donné et tu es le même qui nous a repris. Que la gloire te revienne. D'ici notre papa lorsqu'on lui annonçait le décès des personnes qu'il a beaucoup considérées. Acceptons la volonté de Dieu et disons tous Amen. Amen. Nous sommes tous réunis en ce jour et on célèbre ici afin de rendre un dernier hommage à notre cher père et votre frère. Cardozo Mwamba, lui qui Dieu dans sa souveraineté a décidé de lui retirer le souffle de vie le mercredi 21 juillet 2021 à Dr. Pure Hospital à Johannesburg, en République sud-africaine, suite d'une courte maladie. Qu'il nous soit permis de présenter très brièvement notre illustre disparu. Cardozo Mwamba Kawaya est né à Luebo, dans la province du Kasaï central, le 25 janvier 1959, de l'union entre M. Jean Bonves, Bizet Alaja, et de Mme Kena Mwamba Marceline. Il est originaire du secteur de Matamba, territoire de Kazumba, village de Bena Kalamba, dans la province précitée. Il eut pour épouse Béatrice Bisangana, Marie-Claire Manchima, Martine Mukengeshai, décédée, et Philomène Lusamba. Père de 34 enfants, dont 17 filles et 17 garçons. Malheureusement, un frère nous a quittés l'année passée durant le confinement. Et grand-père de 35 petits-enfants. Permettez-moi de parler de M. Mwamba Cardozo, notre cher papa, votre frère, grand-père et grand homme d'affaires. Certains d'entre vous pouvaient penser que M. Cardozo a grandi dans une famille aisée, mais cela n'était pas ainsi en réalité. Cardozo n'avait pas pu finir son cycle d'études secondaires suite à de nombreuses réalités. Lorsque son père le laissa pour entrer en Belgique suite à de mouvements insurrectionnels avant l'indépendance du Congo. Lorsqu'il grandissait, sa tendre mère, Kena Mwamba Marceline, n'avait pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Et le jeune Cardozo devait se battre comme tout homme en allant de gauche à droite pour trouver de moyens afin de payer ses frais scolaires, et cela en faisait partie de travaux. Son appel dans le monde des affaires, principalement dans le milieu diamantifère, s'est matérialisé lorsqu'un jour il décida d'aller chez sa cousine pour suivre en se faisant passer pour un garçon de ménage chez cette dernière. Mais hélas, il fut un jour, le mari de sa cousine se retrouva dans une buvette et laissa sa montre en gage parce que l'argent ne suffisait pas pour payer son addition. Le lendemain, ce dernier se réveillera pour demander à sa montre à Cardozo, soi-disant que c'était lui le voleur. Le jeune Cardozo subira des tortures, humiliations, pour faire sortir la fameuse montre. Mais Dieu étant bon pour stopper cette hémorragie de torture, la dame de la buvette viendra pour réclamer son argent au propriétaire de la montre pour se ravitailler. Et Cardozo se senta comme un moins que rien, sans que ses offenseurs n'aient demandé des excuses. Il se décida de rentrer chez eux, malgré la misère et ses blessures, habillé de chiqueté pour sauver son honneur. Arrivé chez eux, après quelques semaines, un vieux du quartier au nom de Wala, où habitait Cardozo, demanda à ces derniers de lui trouver une poule pour préparer à ses invités. Il lui proposa une poule que sa grand-mère Bakampi Kamulumba Ninyabakaji lui avait donné pour manger à la maison. Et le monsieur accepta la proposition. Cardozo lui ramena la poule et le monsieur lui donna 10 zaïres. Et à son tour, il lui dira: ces 10 zaïres me permettront de me lancer dans les affaires de diamants. Et Wala le regarda d'un regard de dedans en lui disant que c'était bien pour ne pas le frustrer. Et ce fut le départ de Cardozo dans les affaires,
de diamants et être le Cardozo dont tout le monde a connu sur le plan national et international par ses bienfaits et son altruisme. Et comme il est écrit à 1 Samuel chapitre 2 verset 8, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand, et il leur donne en partage un trône de la gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est ainsi Dieu ramena Cardozo du néant pour le faire asseoir parmi le grand. Malgré sa célébrité, Cardozo Mamba était toujours un homme humble et proche des autres, courageux, compatissant, généreux et charitable. Il partageait le produit de sa fortune avec tous celui qui lui tendait la main, sans distinction de tribu, de race et de religion. D'où son adage le plus cité, Tchadi Mawumwe, Tchadi Bani. Raison pour laquelle il a été décoré par la chancellerie des ordres nationaux de Léopard avec la médaille d'or en tant qu'ambassadeur de la paix. Dieu a donné, Dieu a repris, à lui seul la gloire. Il nous faudra énormément du courage et du temps pour accepter le décès de notre papa et votre frère. Heureusement que notre éducation chrétienne nous aidera à surmonter cette douleur inestimable. Nous sommes convaincus qu'un jour, nous nous reverrons, papa. Encore une fois, vos témoignages de respect sont pour nous, ces enfants, une source intarissable de consolation. Nous ne pouvons finir cette biographie sans rassurer les uns et les autres que nous honorerons toujours la mémoire de notre Père en restant unis et soudés dans l'amour du Seigneur. Les divergences de vie ne manquent pas dans une famille. Si nous avons tous grandi dans une même parcelle, fréquenté de mêmes écoles, traversé les vicissitudes de la vie ensemble, alors nous avons été forcément préparés à affronter et relever le prochain défi dans l'unité. L'union fait la force. Adieu, cher papa, que ton âme repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Près la Cour constitutionnelle, messieurs les députés et sénateurs, messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, tout protocole respecté. La période des obsèques d'un être cher reste un moment particulier et dur pour les membres de sa famille explorée, ainsi que les proches, raison pour laquelle l'apport que le soutien, tant moral que matériel des proches que vous êtes, nous a été d'une nécessité appréciable. Car il nous a permis de soulager tant soit peu les douleurs qui ont brutalement déchiré nos cœurs à l'occasion du décès inopiné de notre frère Cardozo Mwamba, communément appelé Bill Gates congolais. Nous vous prions de trouver à travers ce présent message l'expression de notre gratitude méritée. Ainsi, nos remerciements s'adressent à ceux qui ont généreusement contribué au rapatriement du corps du défunt de Johannesburg jusqu'à Kinshasa et à l'organisation des funérailles à la dimension de celui que nous continuons à pleurer ces jours. Nous vous adressons nos sentiments de remerciement, de reconnaissance éternelle. En effet, même si les déferlements des témoignages de compassion nous ont énormément touchés et nous ont permis de nous sentir moins isolés, il est souvent difficile et douloureux d'écrire les mots de remerciement. Car, figurez-vous, ceci nous replonge en quelque sorte dans la douleur intense que nous avons ressentie
les jours du décès de notre regretté père et frère. Ainsi, mesdames et messieurs, au nom de la commission des obsèques, toute la famille est pleurée, très émue et touchée des marques de sympathie et de soutien que vous avez témoigné à ces jours pénibles pour nous. Vous exprime chaleureusement et sincèrement nos remerciements. À cet effet, nous avons l'obligation morale mentionnée à titre exceptionnel les frères et sœurs qui nous ont profondément touchés par leur marque de sympathie que nous ne saurons pas citer tous. Monsieur Saïd, François Béa, Fantomas, Franck Tchibadi, Lavoisier Mutombo, Patrick Mbouy, Honorable Willy Kazumba, Honorable Rombo, Monsieur Faraz, Monsieur Sakor, Général Augustin Mamba, Général John Tchibang, Monsieur Yannick, Monsieur Paul, Monsieur Rika, Monsieur Jonathan, Monsieur Stallone, la famille Mwamba Cardozo Kennedy, Lams, Titien, Ornella, Sam, Bob, que sais-je encore. Nous ne saurons pas citer tout le monde. Nous vous disons grand merci. Dieu a donné et il a retiré. Qu'il soit loué à jamais et nous continuerons à l'adorer. Merci. Merci. I'm gonna go to the hospital.
Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.